Canal 11 salue M. Merlien et dit bienvenue dans l'émission de Parler Pays. Moi saluer tous les spectateurs Canal 11, femmes et garçons, et son plaisir pour nous, le Canal 11, pour nous parler pays, nos situations que le pays a besoin, que nous parler de lui, que nous gardons ça, qui s'allie comme situation terrible, et qui est responsable des citoyennes qui nous prend pour nous retirer le pays, pour nous mettre sur route. Pour construire un pays pour nous vivre dans le monde, dans la dignité, dans le respect. En pile monde qui a regardé nous là et qui a posé des questions, qui est-ce qui, professeur José Mérilien? Alors, bon, en fait, moi-même, c'est enseignant de philosophie et que c'est syndicaliste. Des fois, tout nous écrit. Et dans les livres que nous écrivons, il relie Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeu et perspective. Que nous posons des problèmes, c'est la citoyenneté. Qui est mon citoyen, comme un citoyen, qui voit l'école, la construit et citoyenneté mounio, qui voit le média autour, gagner la construction et citoyenneté. Yeah. Et nous regardons, qui ça nous est comme l'école, qui ça l'école ça produit comme monde. Nous avons l'école, en fait, pour nous-mêmes, sur l'école caricaturale, sur l'école chrysocale, qui va produire, qui produit des mondes chrysocales pour la plupart, sauf des exceptions, mais nous, qui pour la seule bonne raison, qui est dans l'école qui est là, nous avons des bagages fondamentales qui nous considèrent comme haïtiens, jam, haïtiens qui n'ont pas qui pas enseigné. Et par exemple, il y a un déficit que nous avons, c'est une question histoire nous qui pas enseigné comme ça doit. Pour aider nous comprendre passé nous, pour nous comprendre présent nous et construire futur nous, histoire nous pas enseigné. Donc ce est grave. Et culture nous pas valoriser dans l'école que nous avons là. Donc, il y a plus fait nous mépris, gros mépris pour culture nous, pour ce qui est haïtien, ça nous y est. Donc, ça veut dire que, au gain, puis haïtien qui pas, fier de eux-mêmes, de culture, de histoire, parce que, bah, bon, histoire, bah, culture, ils ont ignoré. Et, dans ce sens, ça, parce que, ça, c'est ma question, nous-mêmes comme société. Parce que, il y a une définition de la société, il y a une société, c'est un ensemble d'individus, de monde qui liés. Connecté par une histoire commune et une culture commune. Alors que si nous avons une société haïtienne, côté culture pas valorisée dans l'école, côté histoire pas enseignée, pour enseigner, pour nous comprendre et côté sortir, côté ça nous y est, ça nous fait dans l'histoire pour que nous puissions se fier de nous-mêmes. Donc, ce sont l'école qui pas l'école que nous avons besoin. Et nous avons répété Chavez, Hugo Chavez qui dit que et notre culture, notre histoire, c'est notre identité. Histoire, nous, c'est l'identité, nous. Si nous n'avons pas histoire, nous, nous avons qui ça nous y est, qu'on nous sortit, qu'on nous parle, et nous n'avons pas agi en l'air. Donc, ça veut dire que c'est fondamental. Donc, comme je le dis, nous sommes dans une situation que des pays ont gagné pour entrer dans la transition. Avant de venir tout ça, M. Merilien, avant de venir tout ça, et nous avons le professeur Merilien, qui a défendu enseignants, qui a demandé notre système éducatif. Je ne veux dire qu'on va voir M. Merilien, qui c'est un monde qui a fait politique, qui a pris des transitions. Ça cause changement, M. Merilien. Bah, un gros changement, tellement gain, peut-être une évolution, tout petit. Parce que tu vas défendre enseignant, tu vas défendre l'éducation. Dans mes propos, dans mes écrits, dans les défense l'éducation qui fait, des enseignants, si vous prenez divers livres qu'ils nous écrit. Donc, là-dedans, nous posons des problèmes enseignants pour l'éducation. Et dernier livre de l'écrivain, il posait sur l'école, sur l'éducation, éducation à la citoyenneté. Donc, comment, à travers l'école, nous avons produit des citoyens, des mounes, qui mounes, citoyens. Jacques Candil, dans le livre, il écrit que les réflexions sur l'éducation, le philosophe allemand Kant dit que l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Donc, ça nous est comme monde, comme citoyen, c'est pas l'éducation qui nous arrive ça. Ou même comme journaliste, quand il faut une mission aussi intéressante, on parle des pays, côté pour les pays à poser, si on prend l'école, on va dire formation qu'il faut, mais si on a voulu faire une mission ça, on va faire. Donc, l'école là, il y a comme job éducation pour construire comme monde. Et quand on dit que l'éducation en tout, c'est passage de l'animalité à l'humanité. Donc, on passe dans les animaux, dans l'état monde. Donc, l'éducation est fondamentale en d'autres pays. Et si nous défendons l'éducation, ce n'est pas par hasard, parce que l'éducation, ces outils, on peut gagner pour affronter des défis aujourd'hui et des défis demain. L'éducation, c'est l'idée que
moun yo capable de développer ça gain comme potentialité pour utilité de utile pays yo. Donc c'est éducation d'adis ce pays ou pas gagner avenir, pas gagner présent, pas gagner avenir. Donc ce qui fondamental, mais qu'a peut-être pas défendre. Sauf que ça le besoin comme éducation, hein, faut nous gon l'état au type d'état qui a bonoul éducation pour considérer comme moun, comme haïtien qui plante la culture li, qui fier de culture li, et haïtien qui connaît histoire li et qui connaît comment Haïti comme pays marque l'histoire universelle et pour pas plus spendre dit rejeter l'idée que fait comprendre que Haïti pas rien, pas jamais rien, doit faire rien parce que histoire nous d'adi son histoire qui est là-dedans d'éléments qui rappellent que nous avons une fierté. Donc alors que fait dans l'école là et soit ça dans dimension authentique li il pas enseigné comme il doit enseigner. Donc c'est vrai ça moi-même parce que et pour ça fait faut qu'on l'état qui l'état tout bon c'est pas l'état reste avec c'est pas y a l'état anti peuple anti nation qui est là dans des raquettes politiques qui viennent chercher des frontières très personnelles qui paraît être pays là. Donc éducation qui l'a demandé là qui peut pas demander là c'est éducation qui a libéré qui de tout n'a dit carcan de bagaille qui mettait là dedans yo acculturel fait il pas connaît culture fait que li connaît histoire pour l'éducation qui enseigne l'histoire li et qui valorise culture qui fait que peuple mouyo capable d'aller sortir que comme haïtien yo font bagaille dans l'histoire yo ka fait et ka dire faire et yo capable d'aider aider pays à sortir côté là éducation est fondamentale pas gain à ce dire là éducation qu'a construit mouyo citoyen yo qui et nous aussi cité un ancien ministre français que les gens appellent. C'est qu'au livre qui relève l'école de demain reste à faire. Là-dedans, il dit que investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, considéré comme la première richesse de pays. Donc, c'est que la première richesse au pays gagné, c'est moun. Et moun, c'est pas éducation. Donc, moi-même, comme moun qui a bataillé pour construire l'autre Haïti, Haïti, quand moun qui a vu tant que moun, quand moun qui a vu manger, tout le monde qui a vu de l'eau pour boire, potable pour boire, tout le monde qui a vu l'école, qui a vu une santé, qui a vu un loisir, qu'à vivre dans respect et dignité, ma capable d'a dit et terminer le loisir, pour défendre l'éducation, défendre professeur et monde qui peut construire monde pour nous, c'est éducateur c'est professeur yo. Professeur yo, c'est yo qui la charge pour construire citoyen, monde qui a besoin pour faire face à défi et jodi défi demain. Donc ça veut dire que si je le dis hein, nous pas défendre enseignant yo, donc nous pas défendre éducation, c'est comme si nous t'a quitté route là. Donc nous toujours défendre éducation, t'a dire enseignant yo, 24 janvier, il était célébré à l'échelle mondiale, ça relait la journée mondiale de l'éducation, côté a mettre en phase sur importance éducation hein. Pour construire d'adi avenir pays avenir et l'humanité. Donc si nous construisons un monde que nous avons tant que monde la dignité pour notre éducation et nous construisons cela yo. Donc professeur yo c'est yo qui censé responsable pour faire ça. Ça fait que même dans tout pays qu'on a un dirigeant qui gagne une certaine vision, il y a pas traité professeur de quelle façon. Par exemple un pays comme l'Allemagne, enseignant yo c'est touché plus cher. Et vous savez que ça pas longtemps. Médecin, ingénieur, tout l'autre, en plus socio-professionnel, fait manifestation pour demander à Angela Merkel pour le payer au même qualité que professeur. Réponse à Angela Merkel, il dit, est-ce que nous d'accord, nous trouvons le normal pour payer nous même qualité comme avec l'enseignant qui forme nous, qui va nous ingénieurs, nous médecins, nous avocats, nous tout le bagaille. Donc, avocat, enseignant, c'est un plus gros salaire parce que c'est eux qui aider à construire l'avenir. Et l'avenir là, et qu'on s'y présente, qu'on s'y a dit là. Donc nous-mêmes, comme militants, qui habitons pour notre Haïti, Haïti qui a la dignité, nous avons Haïti grand monde, qui ne sait pas, Amérique, qui a force, qui a mis nous l'ordre, ça pour nous faire, c'est nous-mêmes qui décidé en tant qu'Haïtien, mais qu'on nous voulons avec le pays, et un grand monde, pour nous là. Donc nous ne pouvons pas permettre, pas de faire éducation, de faire enseignant. Et dans le livre que nous écrit, l'on lit, on peut dire, son plaidoyer pour l'autre type d'école. Pour une éducation qui a éduqué à la citoyenneté, une école qui éduque à la citoyenneté, une école qui a aidé à construire citoyens, monde qui a besoin pour envisager présent et avenir pays. Maître Mérilien, qui gens qui comprennent phénomène insécurité ça, qui avalent terrain dans le pays d'Haïti à l'heure actuelle? Ça nous a comme insécurité sous forme qui d'appuie dans ce sont insécurité d'État planifié. Comment que vous expliquez son état planifié? Parce que et gagner des faits qui attestaient que ça nous la comme insécurité les monde qui dans l'état qui sont là pour protéger la population hein,
pour éviter que les gangs qui ont assassiné, qui ont kidnappé, c'est eux-mêmes qui ont pris la dalle. Parce que nous sommes au courant que Jovenel et Kibli ont fédéré les gangs. Donc ça a tout au courant de lui. Avec Koukou, Sisson, comme ambassadeur, etc. Ça, ça dit comment. Mais donc, vous voyez, c'est opposition ou tout? Non. Bon, en fait, qui ça a gagné comme élément de preuve? Il y a quelques éléments. Mm-hmm. Par exemple, vous souvenez que un gros bois dans le palais qui prend une balle dans le village là, il a tiré sur lui parce qu'il était pour un cob, il était pour des munitions, des armes, par monsieur. Il semblait être un nègre et Christio, plus âme, plus cob, qui eux-mêmes, ils étaient énervés, ils étaient tirés, monsieur. Ils m'ont tiré, monsieur, pour le bruit. Ils m'ont sorti les sons. Mais ça, c'est tout le monde qui non, monsieur, comme qui n'a pas l'air, tout le monde connaît. Deuxième bagaille. Donc, quand pile, l'autre est bagaille qui montre que ça qu'a fait la sécurité, c'est le pouvoir qui a planifié. La planifié parce que son pouvoir décrier. Son pouvoir corrompre, voler, assassin, que le peuple a dit après la mort elle. Pour le Québec, ce n'est pas la peur. Et Gangyo, qui c'est des gens en deux quartiers populaires, des gens qui étaient médecins, ingénieurs, professeurs, journalistes, qui, ou nos sociétés, a dit injuste, qui ne peuvent pas avoir chance. C'est ça, nous avons eu. Ils mettent l'école, puis ils viennent, ils disent, utile pays, utile tête, ils vont aux âmes, pour faire tous les frères, aux soeurs. Est-ce que vous comprenez? Après, pour manger. C'est toute gang, tout le monde qui est dans la gang. Ils vont aux âmes, ils vont au corps, mais après, ils mangent. Parce qu'ils mangent pour des raisons. Un, il y a des crimes, vous voyez, les gangs vont le faire. Donc, pour ne pas parler, il faut manger. Deux, les gangs qui vont au côté de tout, il y a trop. Trop. Pour ne pas trop, pas trop manger. Donc, tout ça, c'est petit peuple qui est victime. C'est des gens dans le quartier populaire. Qui a tout le monde dans la vie. Et puis maintenant, il va aller à l'école, il va aller au loisir, il va aller à rien. Et puis, il va aller à ça comme on a dit, seul choix. C'est le choix qui est mes âmes. Et maintenant, ça va avec eux pour qu'ils pouvoir pendant qu'ils vont le manger. Donc, ça veut dire que tout le monde connaît sur ça. Si, Mabdou, Jovenel, Jout, Agenor, toute équipe d'exemple de pouvoir, pas de kidnapping. Vous pensez que le café kidnapping là, à l'aise comme ça? Deuxièmement, massacre qui fait dans ce quartier. Et il y a des recherches qui fait, il y a des enquêtes qui mènent, qui ont des pouvoirs impliqués là-dedans. Donc, massacre ça, vous avez fait comme ça. Si vous êtes un groupe de barbecue, vous êtes victime de barbecue. Il y a un manger barbecue. Si vous avez des choses, vous avez des demain. Vous avez fait un pile crime, un pile massacre. Donc, barbecue, vous avez fait massacre ça. Si barbecue, vous avez fait, c'est pas un appui pouvoir. C'est pas un gang pouvoir, vous avez fait. Donc, ça veut dire que. Il y a des gens qui montrent que le pouvoir de gang est fédéré par les armes, par les corps moyens pour manger, brasser le peuple. Et qui n'a pas de tout. Son bagage est utilisé comme moyen pour faire comme entrer, comme élection, etc. J'ai un deal. Donc ça veut dire que si le pouvoir pas de kidnapping, pas de sécurité, bon, garantie la police t'a porté des réponses et des réponses valables. Mais comment vous voulez la police porter des réponses? Parce que c'est le monde qui t'a placé pour aider la police pour te répondre, c'est eux-mêmes qui sont dans la gang. Là. Donc, dans le clair. Donc, ça, c'est clair. Et c'est pour ça même. Le peuple qui prend, le peuple sort, qui comprend ça, mobilisé pour dire que 7 février, pas de pas moi, il y a mobilisé pour qu'avant 7 février, contre le Jovenel, contre le Jout, le Kouachino, tout assassin, PHTK, qui mettait le pays dans sa île, quand il n'y a pas de l'école, quand il y a l'école, élève, Yo kidnappé là. Combien de directeurs, directrices, combien de professeurs ont kidnappé, ont assassiné. Donc, ce est terrible. Ce est inacceptable ce qui passe là. Donc, sur l'insécurité. Et pour nous faire un kidnapping, pour mettre fin à l'insécurité planifiée ici là, il faut que le code de Jovenel, dans les chefs kidnappés officiels, il faut que le code de coup. Il faut que le peuple là mobilisé, malgré le soutien qu'il a gagné. Si son comme ambassadeur américain ici, tout l'autre, et parce que l'élève, on a dit, t'es bien informé. Et que là, il a kidnappé l'élève pareil, il a kidnappé directeur, directrice, yo, et qu'il y a des formations américaines. Son bon geste, qui voulait que, il a connu qui moun kapé soutenir Jovenel, qui moun kapé soutenir le régime de kidnappé. Et maintenant, il y a un côté patron qui kidnappé, pour vous dire que libéré. Et parce que, faut, on a dit, des ambassades, yo, gagnent toujours mouvement mobilisation. Pour que il nous dit à la face du monde entier que mais États-Unis qui c'est
qui disait papa démocratie. Mais la France qui est et, comme tel papa démocratie, et il y a eu des ambassadeurs, ambassadrices ici, qui ont soutenu kidnapping, qui ont soutenu assassinat politique, etc. Professeur Mérilien, pouvoir parler de 7 février 2022 et opposition à parler de 7 février 2021, qui entend que nous avons pour que nous évitions le pays à tomber dans une catastrophe nationale. Bon, je pense que, est-ce qu'on a entendu un kidnapper officiel? Kidnapper, c'est contre le coup. Parce que la mobilisation qui doit être faite là, c'est une mobilisation pour mettre ni Sisson, ni Lalim, qui a fait un job criminel, soutenir des criminels, tel que Jovenel et Latrier, mais tout le monde dans cette situation pour y obliger. Il a dit la guerre Jovenel. Et à la face du monde, il y a un moral public. Qu'est-ce qu'il y a fait là? Il faut continuer à clamer à la face du monde que si son, comme ambassadrice américaine, bon, ici, la Lime, comme président de l'ONU, c'est des gens qui ont appuyé, c'est-à-dire au régime kidnappé, des criminels qui ont assassiné, qui ont kidnappé, qui ont payé dans salaire là, qui ont fait de l'eau, qui ont mangé papa, maman petite, toute la journée. Donc, parce que élève, yo, qui a l'ambassade américaine, il faut continuer à visiter l'ambassade pour dire que si on reçoit ça, il y a kidnapping dans tout, c'est qu'il y a appuyé, kidnappé, officiel, qui met payé à salaire là. Donc, parce que ça, il n'y a pas de soutenir là. Il n'y a pas de négocier. Négocier, est-ce que Jovenel, il a dit, qui est Jovenel parler dans le pénitentiaire? C'est ça qu'on a négocié. Non, il ne peut pas aller. Non, eh bien, il n'y a pas aller, c'est le peuple là. Il faut nous mobiliser pour que Dadi fait tous les moyens pour être contre le coup. Donc, vous comprenez bien. Si Jovenel finit faire tout ça, vol, crime qui fait là, par équipe si là, c'est normal. Il a besoin de rester sous pouvoir éternellement pour protéger les têtes. Mais nous-mêmes, qui avons subi kidnapping, qui avons subi insécurité, nous-mêmes, Dadi qui va pas vivre, mon cas c'est populaire, comme je quitte Kayo boule, il fait boule Kayo, je veux dire qui dans la rue. C'est nous pas capables. Donc, nous sommes capables, nous avons gagné pour nous, c'est-à-dire négocier avec qui kidnappé, nous avons gagné pour nous bataille, mettre code. Donc, tout kidnappé officiel, kidnappé ordinaire, qui, c'est-à-dire, c'est ouvrier kidnappé officiel, qui est, ça clair. Hein? Président qui pourrait assurer transition, qui côté l'a sorti? Bon, gagné, c'est-à-dire, débat sur ça, gagné, gagné, monde qui parle de cour de cassation, gagné, monde qui parle de salaire public, etc. Mais parce que gagné, négociation qu'a fait en divers groupes, et ça qui plus en vogue là, c'est les questions de la Cour de cassation. Mais que ce n'est pas le meilleur choix. On va d'accord avec, mais nous ne sommes pas d'accord avec la cassation. Bien sûr, mais les gens qui sont d'accord, tout, les gens qui sont d'accord, c'est parce qu'ils pensent que c'est le meilleur choix. Peut-être que c'est lui qui est capable d'éviter plus dilatoire. Mais en fait, ce n'est pas le meilleur choix. Hein. C'est pas un bon choix. Qui garantit nous gagner sur yo en réalité? Donc si ou alors même ou qu'aller même gagne monde qui allait au la cour et la cour de cassation qui on qui dit ou qu'a prendre des juges de justice en dans CSPJ l'autre côté encore parce que ou t'arrêter doit des critères qu'on n'est pas bon monde dans cour de cassation qui répond à critères là. Donc gagne monde qui demander pour élargir à l'autre et cour et après coup de cassation, coup d'appel, coup CSPJ, côté des juges, il y a même des gens qui parlent de Anama, etc. L'autre association des juges, côté des juges honnêtes, qui ont assuré la transition de rupture, qui met des bases pour continuer à Haïti, une transition de rupture, côté, il ne peut pas faire de bataille, il ne peut pas faire d'ailleurs. Donc, c'est le mec a fait. Donc, peuple à tout, dans cette transition de rupture, tu n'as pas l'air. C'est une transition qui met des bases pour continuer à Haïti. Toute transition, contrairement à l'autre transition, peuple n'a pas d'ailleurs. Et puis ça m'a dit que le peuple là, organisé, il faut des comités de vigilance citoyenne à l'échelle nationale qui pour fournir garder. Est-ce que la transition est demandée à ce qu'il a fait? Et s'il n'est pas fait tout, que ce soit le monde qui a le pouvoir, il faut qu'il y ait le VKP. Et parce que ça nous dit le peuple là, le VKP a de continuer au-delà du départ Jovenel pour nous assurer que, contrairement à ce qu'on fait là, c'est pour une transition de la continuité, côté nous continuer avec volant. Corrompu, nous continuons avec vol, nous continuons avec un pays qui a un petit clic qui est tout pour lui, et puis va jeter pour la bien la misère, ça fait là. Donc, c'est une raison de rupture, effectivement, qui met base pour construire Haïti, qu'on a tout le monde à manger,
Quand je veux de l'eau potable, je veux de santé, je veux éducation, je veux de loisir, je veux de travail, pour vivre de la dignité. Quand nous avons l'école, qui est l'école toute bonne, c'est l'école chrysocale. Quand il faut haïtien chrysocale, mais ça, ils sont l'école qui est énorme, l'école qui est haïtienne réellement, qu'on est culture nous, les valoriser, ils soient nous enseigner, et nous construire haïtien qui est énorme, qui est caractère, qui cache ta blanc pour dire, ok, mais ça, on dit, mais ça, qui est mon pays. Et qui pas dire intérêt personnel yo si blanc baiti comme baiti avantage baiti visa et bien ça fait que il oublie intérêt général là. Donc nous comprenons d'Haïti, nous comprenons citoyen mon yo citoyen parce que l'école pas que citoyen Jean on est un bon temps gros deal au terrain gros deal dit que citoyen son monde qui ca mettre intérêt général là en les têtes intérêt particulier. Donc l'homme monde li n'a dit qu'on individualisme et enragé, c'est peut-être pas seulement, ouais, ils sont restent sur citoyens. Citoyens sont les gens qui sont capables de mettre intérêt général là, intérêt collectif là, en tête intérêt particulier. Nous avons l'école qui m'a construit mon citoyen, malheureusement. Et le livre que nous écrit, qui est Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeu perspective, c'est un livre même qui posait problème. Comment mon citoyen? Citoyen, c'est pas un langage philosophique, c'est bon déjà là, sont construits. Le construit ça, il construit à travers famille, à travers comment l'école particulièrement qui cap d'dire ben des contenus et des valeurs qui construisent ça comme tel. Construit comme monde d'abord, monde c'est monde qui a sa dignité, monde qui a sens de solidarité, monde qui a sa société humaine, les qui casse les problèmes, les qui cap souffrir, ça ca interpelle. Donc il y a des valeurs fondamentales, monde qui a sens critique, qui cap d'dire réfléchir, qui est capable de comprendre, qui a fait sa question. C'est vraiment tout ça, c'est amen. Et c'est ça, qui est le professeur Yves de Ristal, qui peut passer le livre, nous écrit que l'Haïti, éducation à la société, en perspective là, pour même se dire, après ça, il dit que l'école qui apprend nous, pour nous baisser les chines, pour nous baisser la tête, pour nous, t'as dit, pas apprendre à réfléchir, pour nous apprendre à dire non. Bon, l'école, ça, c'est l'école qui est dans la poubelle. Maintenant, pour nous construire l'école, qui construit haïtien, qui est un homme, haïtien qui gagne dignité, haïtien qui citoyen tout bon vrai, qui monde qui citoyen tout bon vrai, car il nous construit ça, laisse ça, ou pas gagner, d'a dit, gagner pas gagner, ou pas gagner. Donc, faut que nous gagnions l'école. Et travail pour construire comme citoyen, comme monde, ça fait là, comme l'émission, ça, c'est travail ça tout, travail d'éducation et politique pour nous construire comme monde, comme citoyen, qui est capable d'a dit, gagner tout ça au besoin pour participer activement dans ce qu'a fait le pays. Nous étions quelques jours, 7 février arrivé. Je pensais que là, tu as supposé gagner déjà une solution pour nous dire bon, mais qui côté que nous pourrions aller? Est-ce que c'est le moment qu'on est là pour que nous disions que nous pourrions chita, nous pourrions chita entre nous? Je pense que ça t'a supposé déjà fait. Oui, je pensais que gagner des avances faites. Gagner des documents, il était seulement pour gagner des petits débats sur tel petit parti, mais gagner de grands groupes dans le monde politique, le monde social là. Ou un associé civil là, qui réunit à travers le comité 21 août, qui a dans plus de 300 organisations, partis politiques, il y a 10 portes qui a dans plusieurs organisations. Maintenant, il y a un document, il a dit, bon, que ça c'est, je ne sais pas si j'entends tout le et il y a été pour eux, rapidement, je ne m'entends, et puis il y a dit nation, mais ça devient comme entente. Mais comme on dit, ça, son premier pas, ça qui est important, c'est après je viens d'aller. Pour que nous gagnions d'adi capacité pour ne pas quitter que d'adi nous sorti dans volant tout le bakoulou nous gagnons on d'adi même mounio même pratique yo et pour la vie tourner en rond parce que ça gomaker les comités de vie de la citoyenne faut ça monter rapidement avant 7 février pour nous connaître dans chaque département yo qui composition comité yo. Et maintenant, pour que ça ait des vitaux militants, des gens qui, ce n'est pas des retirés qui ont besoin de positionner ou de jouer des avantages personnels. Mais c'est des gens qui ont défendu le pays et qui ont calégé, ce que ce soit des gens qui occupent le poste dans la tradition, pour qu'ils connaissent qu'ils vont venir ramasser, ils vont faire service à la population. Et ça, pour le fait, il faut que nous-mêmes, citoyens, nous organisions nous pour nous donner des moyens. Instrument capable que nous caléger nous garder et fait que ça nous vient à se passer réellement. Moi pas voulu que nous mettons nous ensemble pour nous voir président Jovenel aller et puis après 7 février pour que nous pas entendre nous c'est ça que parle pour arriver. OK, mais quand tu gagne mes ententes s'il le faut. Mais ça qui doit et attention nous c'est comment pour peuple ça qui tu as bataille YouTube dehors
dans ce qu'a fait yo comment pour l'organiser pour que sortir son rupture qui initié côté des réformes qui initié dans niveau et santé pour que nous un système santé qui a assuré que tout le monde santé le système éducatif qui réformé dans tout lui-même pour que nous gagne l'école parce que nous au pays côté nous gagner moins de 10% d'école publique. La République dominicaine, il y a 82% d'école publique. Où est la différence? La République dominicaine, 82% d'école publique, avec deux places pour élèves, professeurs. Ici, nous avons moins que 10% d'école publique, et l'école grand goût. Côté, on a dit, les conditions dans lesquelles enseignants et travailleurs et travaillent, c'est des bagages qui ne permettent pas que mon enseigné et mon apprenne. Donc, il faut qu'en partie de transition, nous initions une véritable réforme qui fait que nous venons à l'éducation qui est capable de dire, ben nous, ça, qui fait des conditions qu'il faut pour ben nous, les gens qui ont besoin, et contenu, valet de basse d'elle, nous clés sur eux, et une philosophie d'éducation qui dit que qui ça nous veut comme éducation? Qui nous veut l'école à construire pour nous? Pour construire qui société? Et qui ça capable comme mesure pour que les gens qui ont besoin, l'école à carbone nous? Réellement, des conditions réunies pour que nous construisions à l'école là, moun si la yo, que nous besoin. Moun si la yo, c'est pas des égoïstes, des gens qui va tête seulement, qui va passer le pays, des moun, des zombies qui tête baissée et qui ne foutent une tête baissée devant tout comme zombie, des moun qui va réfléchir, qui va répéter la question, qui va dire oui, amen. Pas besoin de moun qui me dit oui, amen. C'est des moun qui va critiquer positivement pour dire que ça pas bon, pas d'accord avec elle, mais ça voulait. Et qui a comme des salaires, c'est bien logique et qui correct. Des gens qui mettent intérêt pays, c'est intérêt pesqué par eux, c'est des groupes, c'est ça. Nous sommes l'école qui veut nous ça. Et moi, c'est notre transition, il faut s'initier. Notre transition à tout, il faut que nous ayons des réformes qui font, des réformes fiscales. Pour que nous ayons un pays, pour que tout le monde paye des taxes, tout le monde quitte l'État, paye l'État. Mais ça, nous avons des moyens pour nous d'initier, je réforme, nous besoin. Nous avons des moyens pour faire payer à décoller parce que nous faisons payer des taxes. Son pays, c'est grand n'est pas payer des taxes. C'est mal payer taxes, il faut que ça suspende. Il faut que l'autre politique fiscale qui fait que les gens qui ont tout payé taxes et comme taxes ça, ils ont utilisé. Et il faut que les gens mettent basse faire un bon jugement pour corrompu, assassiner, ils ont jugé. Pour que les gens qui ont vu vidéo, par contre, ils ne peuvent pas mettre longueur dans la caisse d'État et puis ils ne peuvent pas briver. Donc il faut que des exemples qui sont cassés. Donc la transition, donc c'est un moment important dans l'histoire. Nous. Donc il faut que maintenant nous bataillons pour que nous ne pas perdu. Transition ça, même gens nous ne perdons plus l'autre déjà. Et professeur Merilien, mon pouvoir, opposition, ils ont utilisé l'article 134-2 pour défendre position. Est-ce que le problème, c'est dans l'article 134 que lié? L'article, qui problème? Lui dit, l'article seulement bail et l'on qu'on monte, qui est suivant l'élection en fait, qui est mon droit fini. Même Jean, ça n'a pas fait débat. Pour que ça, Jovenel, l'année dernière, il est arrivé avant 11. En janvier, dans la soirée, il dit qu'il prend acte que le mandat de député est fini, le mandat de sénateur est fini. Mais depuis son président, il y a 4 ans, il y a 3 ans depuis l'entrée. Donc, alors, il prend acte que le mandat de député est fini, suivant la date qu'il a faite là, il dit même tout, le mandat n'est pas fini. Pas fini. En tenant compte de même suivant la date qu'il a faite là. Donc, il y a un coquet qui a été fait. Pour que ça se passe, je veux dire qu'il a résolu ça. C'est quand qui a parlé en coule. Donc, il y a toujours, quand il y a le pouvoir, pour qu'il parle en coule. C'est ce qui est fait, mais quand il y a nous-mêmes, qui a subi en bas Jovenel, en bas kidnapping, qui a fait pour pouvoir s'organiser contre nous, nous avons pour nous garder Jovenel en danger. Nous avons pour nous mettre femmes sur nous, garçons sur nous, pour que nous bataillons. Bataille en face ni mafia nationale, ni mafia internationale, qui a dit, il voulait qu'il Jovenel, pour Jovenel qui a fait un job sale par eux contre intérêt pays. C'est allié. Nous avons le choix. Professeur, qui donne un mot dans l'émission par les pays pour jeudi et jeudi? Ça nous dit, jeudi et jeudi, Haïti est ce pays qui fait l'histoire. Nous avons une histoire universelle. C'est, nous avons mettre fin à une plus grosse exploitation inhumaine, c'est l'esclavage. Et tout un pays qui va libérer après, il y a l'esprit de Haïti. Haïti, c'est le pays. Qui, je veux dire, il y a parlé de questions de citoyenneté mondiale que nous traitons dans le livre Panoua, mais nous avons honneur que c'est Dessalines qui initie la question de citoyenneté mondiale là. Donc, parce que Dessalines dit que de vous tomber là, vous êtes citoyen, vous êtes tout droit. Et nous, comme nous faisons l'histoire, nous marquons l'histoire, à partir de aujourd'hui là, il faut nous connaître ça et pour nous regarder comment
nous avons de continuer à marquer l'histoire positivement, les nouvelles batailles pour nous faire payer pour l'autre route, côté, nous avons vu tant que monde, la dignité de respect, et avec, c'est-à-dire, une équipe gouvernementale qui a des mondes réels, des citoyens, qui sont capables de dire, mais tu pas payé, tu n'es pas payé, et des citoyens, des visions, qui ont aidé nous à sortir de là. Donc, ça nous a dit, pour nous rentrer dans cette rupture-là, pour nous contrer cette rupture, son goût est lié, et m'inviter tout citoyen net dans le pays, qui n'est pas d'accord avec ce qu'a fait là, pour nous confier force, nous, organiser nous, pour que, contrairement à ce qu'a fait là, nous entrer dans cette rupture, qui met de base pour que notre Haïti, qui n'est pas là, côté son Haïti grand monde, côté c'est pas étranger qui a vu l'autre, ça va nous faire, c'est nous qui avons décidé contre nous aller, et les moyens que nous avons dans le pays, il va utiliser, et faire autre cochon, la idée pour faire la service. Ça, madame Goumé, il m'a dit que pour nous Goumé, au-delà de départ Jovenel, parce que si nous rentrer, et dans la base de Bagoumé, c'est la fermeture sur la terre. Donc, Goumé doit continuer. Merci, professeur Mérilien. Canal 11, remerciez-vous. C'est moi qui remercie nous parce que nous avons la possibilité pour nous parler pays. Et nous sommes le pays, nous avons deux, nous avons un pays de recherche. Donc, nous pensons que l'important est de nous féliciter, Canal 11, qui mettait à disposition publique là, notre émission qui a éduqué et formé politiquement, ou émission qui a permis de brancher sur le pays, sur le pays, sur mes compliments, et qui mettent en dedans avec l'émission aussi là, j'espère que l'émission ça a duré encore longtemps pour continuer à éduquer le peuple là.